Alors, on m'a demandé de venir faire une conférence ici sur les TI. On a dit, Patrick, toi, ce serait bon si tu pourrais venir parler de qu'est-ce qu'on fait suite à l'implantation d'un CRM. Pour nous, dans notre entreprise, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Donc, je vais essayer de vous expliquer c'est quoi toutes les possibilités une fois qu'on a implanté un CRM pour votre entreprise. Premièrement, qu'est-ce qu'un CRM? Moi, c'est sûr que dans ma présentation, je vais confondre beaucoup Salesforce. Je sais qu'avant, il y a eu une présentation là, du produit Microsoft. Mais pour moi, un CRM, c'est Salesforce. C'est un produit qui a beaucoup de momentum dans le marché, qui est utilisé par plus de 100 000 compagnies à travers le monde. Et c'est un produit pour lequel, nous, on est partenaire certifié. Qu'est-ce qu'un CRM? Si on demande la plupart du temps aux gens, c'est quoi un CRM? Souvent, c'est la même réponse qui va venir. Les gens vont nous dire, un CRM, c'est pour gérer les ventes. Êtes-vous d'accord? Est-ce que c'est un peu un réflexe que vous auriez de dire ça? Plus ou moins. Qui ici, à main levée, a un CRM d'implanter? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui pensent implanter un CRM dans l'avenir? OK. Ceux qui ont des CRM d'implanter, à main levée, qui utilise Salesforce? Ah. Les autres, Microsoft Dynamics? Non, Sugar. Sugar, bon. Pardon, ça fait 5-6 ans? OK. Et toi, c'est quoi? Custom. OK. Un CRM, c'est pas juste pour les ventes. Ça, c'est le principal point. Un CRM, c'est pour gérer tous nos processus en lien avec les clients. Et ça, il y en a beaucoup dans une entreprise. Souvent, quand on va regarder nos processus, ceux qui sont en lien avec les clients, c'est souvent des processus très importants. Si un processus n'est pas en lien avec un client, il est sûrement un peu moins important. Donc, un outil qui va nous permettre de mettre notre client au cœur de nos processus puis d'en créer plusieurs processus pour bien le servir, c'est un outil qui va nous aider à être plus productif puis aussi à augmenter notre rentabilité. Donc, classiquement, on va parler des ventes, le premier en haut à gauche. Mais un bon CRM va être aussi au service des autres départements. Marketing, le support après-vente, les finances, l'administration, la comptabilité, la gestion de projet et les ressources humaines de plus en plus. On va prendre une entreprise typique. Okay? Ça, c'est tous des processus qui sont là à titre d'exemple pour montrer qu'est-ce qui peut être implanté suite à l'implantation d'un CRM qui, traditionnellement, va commencer par gérer un processus au niveau des ventes, le premier en haut à gauche. Après ça, on peut peut-être vouloir gérer nos processus de collaboration en interne sur différents projets. Les gens, aujourd'hui, aiment collaborer. Traditionnellement, on s'envoie des courriels. Aujourd'hui, dans les nouvelles propositions, telles que celles de Salesforce, il y a une offre de produit qui s'appelle Chatter. Chatter, les gens appellent ça le Facebook de l'entreprise. Les gens collaborent ensemble sur différents projets, sur des ventes, sur des problèmes qu'on a. OK? Il y a de plus en plus aussi, dans le volet RH, la gestion de la performance. À travers les outils CRM, tous nos employés, généralement, vont l'utiliser. Ils vont l'utiliser pour des processus clients, puis on peut, à travers ça aussi, faire une évaluation de leur rendement. On peut leur donner des thumbs up quand ils font des bons coups. Oui, on fait une bonne vente, c'est un thumbs up, mais un client aussi important qui va soumettre un code support, puis on a un employé dédié qui va le régler rapidement, thumbs up. Okay? De plus en plus, il va y avoir des applicatifs au niveau de gestion de la ressource humaine pour les évaluer puis aider à déterminer leur rendement sur une base soit trimestrielle ou annuelle. Service à la clientèle, c'est une application typique d'un CRM. Si on le pousse plus loin, on voit qu'on va faire du service à la clientèle sociale. Parce que de plus en plus, ce n'est pas nous qui décide où est-ce que notre client il va aller pour nous parler. On est habitué traditionnellement, on a un problème avec Bell, on les appelle. Avec la PME, ça va être classique, on se log sur le site web, on crée un billet, on écrit un courriel. Mais de plus en plus, c'est le consommateur qui a le pouvoir. Le consommateur, il va aller sur des réseaux sociaux, Facebook, Twitter, et il va énoncer son problème. Il va dire encore une fois, mon Internet Bell, il a tombé. Donc là, en tant que fournisseur de services, vous avez l'opportunité de rejoindre la conversation. Et là, de participer à la conversation. Ce n'est plus vous qui décidez où le support se fait, c'est le client. Ça, c'est le phénomène de social monitoring pour faire un meilleur service à la clientèle. Il y a beaucoup d'intégration aussi qu'on va faire avec les back office. Généralement, les petites, les moyennes, les grandes entreprises, ils vont avoir bâti avec le temps des legacy systems. Ils vont avoir des intranets, ils vont avoir des systèmes custom. Donc, plus on avance dans l'implantation d'un CRM, plus on va vouloir faire peut-être des ponts avec des systèmes qui ont été coûteux dans le passé à développer.
De plus en plus d'entreprises vont faire de la comptabilité aussi dans le cloud. Si on a un CRM qui gère nos ventes, nos produits, nos inventaires, ça devient un naturel aussi que c'est ce CRM-là qui va créer la facturation. Okay? Donc, de plus en plus, on va avoir des ponts avec des outils de comptabilité traditionnels, les ACPAC, Acumba, QuickBooks, Simple Comptable. On va faire des ponts, on va amener l'information de ces systèmes-là dans le cloud ou tout simplement, on va avoir des solutions d'accounting qui sont pure et dure faites pour rouler dans le cloud. Il y a une solution qui s'appelle Financial Force, qui est une des solutions les plus avancées dans le monde pour le cloud, qui est disponible pour Salesforce, qui permet à des entreprises de gérer des milliers de transactions financières par jour. Il y a des entreprises aussi qui vont faire évoluer leurs outils de soumission. Puis là, je pousserai plus loin aussi, je dirais la génération automatique de documents. Un vendeur qui passe deux heures par jour à générer des soumissions, c'est une perte de temps. Si on peut l'aider en automatisant le plus gros de sa tâche dans la création du document, c'est un gain considérable. Mais les entreprises poussent plus loin. Si on vend un produit qui a un assemblage, qui a différentes composantes, on va vouloir sortir des documents de pièces avec des spécifications. Il y a différents documents comme ça qui peuvent être créés dans le but d'amener des gains de productivité à travers nos différentes équipes. Ce qu'on voit aussi, étant donné qu'on gère les ventes, on va avoir beaucoup d'incitatifs au niveau des commissions. Comment que je peux bonifier mon vendeur davantage? Comment est-ce que moi, en tant que chef d'entreprise, je peux dire « c'est ces produits-là sur lesquels je veux que je vous mettiez l'emphase ». Je vais donc ajuster mes formules de commission, je vais les exposer de façon très claire à mes vendeurs, puis ça va impacter leur action, pas selon leurs préférences personnelles, mais selon les réels buts de l'entreprise. On voit aussi de plus en plus des mécanismes de timesheet, on voit des applications mobiles, gestion d'inventaire. Des processus qui tournent autour des clients, il y en a beaucoup. Beaucoup qui peuvent créer des gains de profitabilité, productivité. C'est bien d'avoir son client au cœur des processus. Mais de plus en plus, ce qu'on veut, c'est impliquer tout le monde qui est dans cet écosystème-là. C'est pour ça qu'une entreprise comme Salesforce, elle va créer des produits également pour ça. Donc, on veut faire intervenir dans ces processus nos partenaires, nos employés. Salesforce, pour répondre à ce besoin-là, a créé plein de produits. Les trois principaux, le Customer Portal, ensuite le Partner Portal et Site. Je vais vous les expliquer brièvement. Un Customer Portal, c'est un produit qu'on active et qu'on configure. Après quelques heures, on a un produit dans lequel nos clients peuvent s'authentifier, se loguer, accéder à leurs billets, à leurs achats récents, à des questions qu'ils ont posées. On peut en profiter pour promouvoir des opportunités de upsell pour l'entreprise. Ça devient un endroit où on peut communiquer avec notre client. La beauté de ce produit-là, c'est qu'il est activable très rapidement. Même chose avec les partner portals, nos partenaires. Souvent, ce qu'on est habitué de voir, c'est qu'on a des partenaires qui vont revendre nos produits, supporter nos produits. Mais dans la plupart des entreprises, on n'a aucune visibilité sur leurs activités, sur leur rendement. Qu'est-ce qui se passe dans ces entreprises-là? Est-ce qu'ils sont en train de travailler sur des gros deals, sur des deals que notre management pourrait supporter, aider davantage pour closer, pour amener au bottom line davantage de rentabilité pour notre entreprise? C'est aujourd'hui des manques. Le Partner Portal, c'est encore un produit qu'on active, on configure, puis à l'intérieur de quelques jours, on est capable d'amener les partenaires dans notre écosystème et leur donner à leur disposition tous nos outils qu'on a au niveau de gestion de la clientèle, gérer les soumissions, les opportunités, on augmente leur rendement. Quand on investit beaucoup dans notre outil CRM, puis on a de plus en plus de processus puis de données qui ont de la valeur, on veut aussi l'exposer sur un médium qui est assez traditionnel, le site web. On veut pouvoir exposer certaines de ces informations-là sur un site web public ou derrière une authentification. Puis on veut être capable aussi de capturer de l'information. Traditionnellement, des leads. Hein? On a un form, les gens remplissent des leads. Mais il y a d'autres choses. Il y a les billets. On peut exposer plein de données de notre système. On peut avoir un outil de soumission qui est très avancé. On le rend disponible sur notre site web. Donc, encore une fois, c'est un produit qui permet rapidement d'exposer nos données, nos processus publiquement sur des sites web. Un autre gros changement. Salesforce a rendu tous ses produits de facto mobiles. Jour 1, n'importe lequel des produits, il est accessible en mobile de façon transparente. Si vous utilisez le système Salesforce, vous le personnalisez pour vos propres besoins. Vos personnalisations sont jour 1 mobiles. En quelques heures, on est mobile. Ça n'a jamais été avant.
Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça crée des nouvelles opportunités. Mon processus que je pensais d'une certaine façon, parce que mes utilisateurs n'étaient pas mobiles, parce qu'on avait énormément de contraintes au niveau de TI, ils ne sont plus là, ces contraintes-là. Maintenant, tout est possible en mobile. Partant de cette prémisse-là, il faut réinventer nos processus. Donc, qu'est-ce qui suit l'implantation d'un CRM? Il faut revoir l'utilisation des mobiles. Ça, c'est une image que j'adore. En 90, en 95, en 2000, un gars de TI, c'était celui qui faisait le réseau. Il implantait Windows. Il y avait Printer, il brisait, c'était lui, l'imprimante. Okay? Après, le gars de TI, c'était plus celui qui était responsable des différents systèmes, l'intranet, le site web, notre ERP. À lui, on demandait toutes sortes de requêtes. Es-tu capable de nous avoir un rapport qui va mettre ces données-là en parallèle, qui va nous permettre d'avoir une intelligence d'affaires? Ce gars-là, l'image vaut mille mots. Avec tous des systèmes décousus, il est incapable d'arriver et de répondre aux besoins du management. La nouvelle réalité, c'est que les TI, c'est la nouvelle star dans les entreprises. Les TI, jamais auparavant, ils ont eu autant de pouvoir dans une entreprise. Les TI peuvent augmenter la productivité et la profitabilité des ventes, du marketing, de nos enjeux de production, les ressources humaines, services à la clientèle, les finances. Tout le monde peut y tirer davantage de profit en utilisant bien les TI. C'est la première fois que ça arrive dans notre histoire. La présentation achève. Il y a une question que je me fais souvent poser. Combien ça coûte? Combien ça coûte démarrer? Mais aussi, combien faut-je prévoir suite à l'implantation, l'année 2, l'année 3? Moins qu'avant, la même chose ou davantage? La réponse, ce n'est pas celle que le client souhaite. Il faut investir davantage. À l'année 1, on a mis 2 $ là-dedans, il nous en est revenu 5. C'est un investissement, ce n'est pas une dépense. Les TI, aujourd'hui, ont la possibilité d'accélérer notre entreprise. Année 2, qu'est-ce qu'on fait? On en met davantage. D'autres, on a des clients qui ont un petit peu de succès, pas de succès, puis il y en a qui ont énormément de succès. Ceux qui ont énormément de succès, ils utilisent les TI pour aller rapidement et ils investissent toujours davantage d'année en année. Ça met fin à ma présentation. Je vais juste rapidement vous présenter mon entreprise. Nubik est un partenaire certifié Salesforce. Nubik, c'est 12 experts Salesforce. On a fait que du Salesforce. On est la plus grande équipe d'experts dédiée à Salesforce au Québec. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait des implantations de nouveaux systèmes. On va aussi faire du conseil pour revoir vos processus, pour les améliorer dans la nouvelle réalité. On va faire des améliorations continues, année 2, année 3. On va être avec vous en tant que partenaire pour améliorer votre système. Et bien sûr, on fait du support technique et du coaching.